Allô? Ouais, ça va? Ouais, tranquille, et toi? Ça va, ça va. T'es où là? Tu sais pas? Quoi? T'es où? Pourquoi? On t'attend là, on fait la vidéo pour le concours du PCVOS. On est déjà gagnant là. Ouais, j'arrive là, bah je suis Je suis en en train. train de. Vite fait, j'ai un petit retard, je suis en train de me préparer, j'en ai pour 10-15 minutes. On fait quoi? On commence sans toi, on t'attend? Ouais, allez-y, d'ici bah, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, je suis là. Ok, bah vas-y, Bah, on va commencer tranquille avec le gagnant, puis bah on fera la deuxième partie avec toi, ouais. Ok, ça roule, à toutes. Il arrive? Il arrive. Eh ben Parfait. salut tout le monde, c'est Yarek. On se retrouve sur la chaîne des Discovery aujourd'hui pour la remise du PC du concours Aorus, donc concours qui a été organisé sur les Twitter de Discovery, moi-même ainsi qu'Aorus France. On se retrouve aujourd'hui avec Clément, Salut. donc qui a bien voulu nous accueillir chez lui pour pouvoir lui remettre le matériel. Donc on vient aujourd'hui lui installer la machine chez lui directement et vous présenter un petit unboxing directement du matériel. Et vu qu'on est des gars super sympas, on va même installer la machine directement sur son setup. Et sans plus attendre, on débarrasse toutes les boîtes. Je pense que le gagnant est un petit peu impatient. Alors là, voilà mon gars. Bien. Nice. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est ton cadeau. C'est le PC de ta grand-mère, hein? Bah non, c'est le PC russe. Face avant noir, porte noire sur le côté, une touche de gris là en bas. C'est un cadeau, c'est bon. Et voilà mec. Un montage en reverse ATX, le vert trempé vachement clair, les pieds du haut gris, les pieds du bas gris, non c'est la même chose. Hein. Non c'est ça. Hein. Ok. Bah merci beaucoup. Bah de rien, écoute, t'es content? Ouais. Est-ce que tu veux vraiment être super content? Parce que Ouais, si je pense. là t'es content, normalement, je pense que je peux t'arranger quelque chose. Ouh. Donc voilà, ça c'est ta vraie config Clément. Moi je trouvais l'autre boîtier quand même vachement mieux. C'est les goûts et les couleurs. Cosmo C700P de chez Cooler Master évidemment. On va retrouver à l'intérieur une Z490 Waterforce Extreme de chez Aorus avec un 10900K. Ouais. Donc 5,1 Go sur tous les cœurs actuellement, 10 cœurs 20 threads, une 2080 Super Aorus Waterforce Extreme, de la RAM de chez Aorus également. Donc de base on était sur deux sticks de 8 en 3600 MHz. Je t'ai fait la petite remarque comme quoi ce serait bien que tu en rajoutes deux de plus. Donc on a enlevé les deux fausses barrettes, on a remis deux barrettes en plus. Donc là actuellement tu as 32 Go en 3600 MHz. Le plus important pour moi, le Water Cooling Custom, donc Full EK Water Block, nouvelle pompe kinétique Quantum de chez EK avec un réservoir 300. Les ventilateurs, on va être sur les Vardar DRGB, donc petite variante des barres d'un RGB tout court, ça c'est les Evo DRGB 2200 tours. Actuellement là ils sont réglés sur 1400 tours. Je t'ai fait une courbe de ventilateur custom déjà, donc selon les températures qu'elle atteint, les ventilateurs vont se déclencher plus ou moins vite. Mais là en soi de toute façon c'est du clé en main, le Windows est installé, tous les softs sont installés, tu pourras jouer avec le RGB autant que tu veux. Ça après c'est ton problème, c'est pas le mien, je veux pas en entendre parler. Et ben voilà, le setup de Clément est installé, il va pouvoir en profiter tranquillement hors caméra. Je tenais bien sûr à remercier toutes les marques qui ont pu rendre ça possible. Nico évidemment, même si... Il est où d'ailleurs Nico? Bon, et eh bien, comme vous l'avez vu, je n'ai pas pu être présent malheureusement lors de la remise de ce cadeau. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques mois avant l'été, on avait démarré donc avec Aorus, avec Yerect, avec EKWB, Intel Cooler Master, un concours dans lequel on vous faisait gagner un énorme PC qui, voilà, avoisinait les 5000 euros. C'était peut-être un petit peu plus, c'était peut-être un petit peu moins, je sais pas exactement, mais entre tout le matériel qui avait été mis dedans, entre toutes les pièces du water cooling plus la main-d'œuvre, hein, sachez que la main-d'œuvre faite par un pro comme Yerect, c'est beaucoup de savoir-faire, ça coûte très cher. Donc, oui, entre tout ce qu'il y a dans ce PC plus cet énorme montage en reverse, bah
Voilà, on finit sur un PC qui vaut vachement cher. Et ce PC, on l'a donc fait gagner au tirage au sort, et c'est Clément qui a eu la chance de le gagner. Donc bah, Yarek est allé lui remettre en main propre. Je devais être là malheureusement, mais ça a été vraiment compliqué avec toute la situation actuelle. Déjà pour le montage du PC, je devais être présent avec Yarek, mais on était en plein confinement, donc je ne pouvais pas bouger. Et quelques semaines avant d'aller remettre le PC à Clément, bah moi j'étais parti en vacances aux îles Canaries. Du coup, au retour, bon bah quarantaine, reconfinement, voilà l'augmentation des cas qui fait qu'en Belgique on peut plus circuler aussi facilement en France. J'ai donc malheureusement pas pu être présent pour remettre en main propre son lot à Clément, son PC, et on s'est dit qu'on n'allait pas lui faire patienter encore parce qu'il a quand même attendu, je pense, 2 mois avant de le recevoir, ce PC. Donc vraiment un très gros bravo à lui, un tout remercie à tous les partenaires, à Yerect qui a pris du temps pour monter ce PC, qui a pris du temps pour aller jusque là-bas, et à David de DX Productions, qui est donc le cadreur de Yerect, qui a fait tout le cadrage du montage du PC, qui a fait le petit montage que vous avez vu dans la vidéo qui est super stylé, et qui du coup a également filmé la remise en main propre à Clément. Donc merci à eux tous, parce que bah, sans ça, ça aurait été soit pas possible, soit beaucoup beaucoup plus long. Donc il y en a beaucoup qui me demandent si je vais refaire gagner des PC, si je vais faire des concours setup comme Guillaume, et la réponse est je ne sais pas, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'un setup ou un PC, c'est beaucoup d'argent en un seul coup. Pas pour moi, parce que bon bah moi parfois je fais des investissements là-dedans, mais la plupart du temps c'est les marques qui m'approchent pour faire ce genre de concours, donc je n'ai pas besoin de payer beaucoup de choses. Là en l'occurrence c'est Aorus et les autres marques qui ont tout payé, donc je n'ai rien eu à payer, mais ça reste quand même un très gros cadeau pour une seule personne. Et moi vous le savez, bah des petits concours j'en fais assez souvent parce que j'aime bien voilà faire gagner un casque par-ci, un clavier souris par-là, un siège, enfin plein de petits trucs. Bon, des petits trucs qui valent généralement entre 100 et 200 euros, voire plus, hein. Mais j'aime bien faire plein de concours pour faire gagner plein de personnes. Et là, en l'occurrence, bah, c'est très cool de savoir qu'il y a 1 euro qui aura un PC, mais ça reste quand même une seule personne heureuse alors que ça pourrait être plein d'autres personnes. Donc, bah, ça veut pas dire que je ferai jamais de concours comme ça, ça veut juste dire que je préfère privilégier les concours où je peux faire gagner plusieurs personnes. Donc, concours où je peux faire gagner plusieurs PC. Qui sait, peut-être un jour. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que, bah, comme vous le savez, il y a Guillaume qui a démarré une série où il fait gagner des setups. Et pour moi, bah, dans les youtubeurs hardware francophones, c'est un petit peu sa série à lui. Il a pas mis de droit d'auteur dessus, il l'a pas inventé, je sais que ça se fait ailleurs et tout, mais je veux dire, c'est lui qui a démarré avec ça vraiment dans les youtubeurs hardware francophones. Et bon, bah, moi, je trouverais pas ça très legit de se dire, ah, bon, bah, le concept fonctionne bien chez lui, donc je vais le prendre. C'est pas vraiment le genre de choses qui rentre dans mon éthique, voilà, c'est pas le genre de choses que je fais. Et d'ailleurs, sachez qu'au moment où je poste cette vidéo, là, normalement, aujourd'hui, Guillaume, il a sorti en même temps une vidéo où il fait gagner un setup d'une valeur de 5200 ou 5300 euros, il me l'a dit, donc si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir sa vidéo. Et bon, bah, peut-être qu'un jour qu'on le fera à deux, hein, qui sait. Mais en attendant, pour moi, ça reste sa série, ça reste son concept, donc j'ai pas envie de le reprendre, d'aller piocher comme ça et de m'en servir juste pour faire des vues. C'est vraiment pas comme ça que je fonctionne sur YouTube. Mais du coup, voilà, en attendant, je vous invite à aller voir sa vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un like et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me follow sur mes réseaux, Twitter, Instagram, Twitch et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.